l'aéroport d'Atlanta, USA. Sur une table avant les douanes, je remplissais un questionnaire qui me disait, mon frère, t'es pas que le bienvenu chez nous. Maintenant on a de quoi te mettre au trou si tu viens nous chercher des poux. Sur cette table en plastique, qu'on a vu des questionnaires gribouillés à la va-vite par les suspects de toute la terre. Mademoiselle Tomovic déclinait l'identité d'une femme magnifique, cette femme qu'elle était. Mais c'est au carrefour du ciel que j'ai croisé Anna. M'a-t-elle donné des ailes juste pour entrer chez moi? Mademoiselle Tomovic. Mademoiselle Tomovic, un de ces jours, là-bas vers Dubrovnik. Mais qu'aurais-je dû faire pour vous suivre ce jour-là à Atlanta? N'écoutez que mon cœur ivre, c'est souvent lâche un cœur qui bat. Alors ma chère, j'ai laissé faire comme on laisse nos rêves se faner. Souvent le cœur préfère se taire que de se montrer désarmé. Je sais que le temps nous sépare, que vous avez un peu d'avance de quelques pierres sur vos remparts. Mais s'il me manque quelques batailles, j'ai la foi d'un jeune cœur épris qui croit que vos murailles ne sont pas trop hautes pour lui. Mais c'est au carrefour du ciel que j'ai croisé Anna. M'a-t-elle donné des ailes juste pour entrer chez moi? Mademoiselle Tomovic. Mademoiselle Tomovic, un de ces jours. Mademoiselle Tomovic, mais non, non, non. Mademoiselle Tomovic, un de ces jours. Là-bas vers Dubrovnik. Vous ne comprendrez sûrement pas ces mots, et pourtant je vous les dédie. On se recroisera un jour sur terre, je vous les traduirai, c'est promis. En attendant, qu'est-ce qu'il me reste de blanches et grandes ailes? Un jour, j'irai vers l'est et nous volerons mal.